Philippe Bijaoui, je suis Chief Development Officer pour l'Europe et l'Afrique du Nord pour les marques Premium, Midscale et Economy du groupe Accor. Hospitality en première? J'ai rejoint Accor il y a maintenant un mois et demi. C'était une suite logique dans ma carrière. J'avais depuis longtemps pensé au groupe Accor et j'avais vraiment envie de continuer le développement. C'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. Et finalement, j'ai pas pu résister et j'ai rejoint le leader européen, les opérateurs pour son développement. L'Europe, chez Accor, c'est la grande Europe. Donc, il y a 44 pays. C'est les anciennes républiques soviétiques. Ça démarre, si on va très à l'est, les pays nordiques, le UK. Et on descend sur l'Europe traditionnelle, l'Europe continentale. Et ça va jusqu'à l'Afrique du Nord, donc Algérie, Tunisie, Maroc, et Israël, Chypre, Malte. Donc, 44 pays en tout. Et nous allons développer toutes nos marques. Ce sont les marques donc traditionnelles du groupe Accor, Ibis, Ibis Budget, Ibis Style, Mercure, Novotel, Adagio, et les marques premium sur lesquelles on va vraiment se concentrer cette année et dans les années qui vont venir, Pullman, Mövenpick et Swissôtel. C'est Handwritten. Handwritten, c'est une marque upper mid-scale, ce qu'on peut définir de cette manière, et qui est une marque collection. Donc, on va rechercher des hôtels de caractère, des hôtels qui ont été faits avec cœur, avec passion, et on va leur donner notre réseau de distribution. Tout ce qu'une franchise habituelle comprend sera dans Handwritten, sauf que l'hôtel pourra garder son nom, son identité propre. Et la seule condition, c'est que ce soit un bon service, une belle expérience et un hôtel qui a été fait avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'amour et qui a un caractère particulier. La plupart des propriétaires et de nos franchisés nous disent enfin, enfin quelque chose qui est adapté parce que souvent il y a des hôtels familiaux qui ont été faits qui ne correspondent pas aux marques traditionnelles et donc c'est parfait pour eux. Ils trouvent dans Handwritten ce qu'ils recherchaient. Donc, se rattacher à notre réseau de distribution, à nos 72 millions de membres chez Hall, et en même temps garder leur identité, garder le caractère particulier de leur établissement. L'équipe est presque au complet. J'ai la chance d'avoir une merveilleuse équipe de 54 collaborateurs. Qui répartis à travers l'Europe, ont chacun des territoires et développent déjà avec succès. On a une année 2022 qui a été excellente en développement et on a bon espoir que 2023 va être encore mieux. Camille est toujours passionné par le développement en Europe, même s'il va passer du temps sur les autres régions. Mais l'Europe est très importante pour nous, donc on va y passer pas mal de temps. Gros focus en premium pour cette année. On va vraiment donner un nouveau souffle aux marques premium. On va s'adapter aussi au marché. On va utiliser nos outils, nos collaborations avec les partenaires les plus proches pour développer le premium, chacun dans sa niche, dans sa spécialité, parce que chacune de nos marques premium ont un caractère particulier et sont intéressantes pour certains endroits ou certains types d'hôtels. On va essayer de faire pas mal de resorts aussi parce que ça nous manque dans nos portefeuilles, en premium en particulier. Et Handwritten, on va en faire beaucoup aussi. On a vraiment l'impression, mais sans oublier les marques traditionnelles évidemment qu'on continue de développer. Merci de m'avoir interrogé. Non, mais je suis très enthousiaste. J'ai vraiment envie de démarrer cette nouvelle aventure d'accord et je suis ravi de les avoir rejoints. Thank you.